Allez, entretien aujourd'hui avec Nicolas Lebelec, nouveau coach du Football Club de Sète. Donc déjà Nicolas, merci d'avoir accepté ma demande d'entretien, pardon. Et si vous le voulez bien, on va décomposer l'entretien en deux parties. Ouais. La première, votre carrière de joueur et votre carrière d'entraîneur avant le FC Sète. Hein, et ensuite votre arrivée au FC Sète et comment ça se passe donc depuis que vous êtes arrivé au club. Donc si je ne me trompe pas, vous êtes né à Chartres. Bien, ouais, Vous avez exact. commencé à l'UCL, Ouais. où votre papa était le fondateur de l'école de foot ou du club. Du club, Voilà. exact. Ensuite, vous avez enchaîné sport-études à Tours. Ouais. Et enfin, vous avez rejoint, on va dire que c'est là que ça a commencé véritablement, c'est l'INF Vichy. Et l'INF Vichy, à l'époque, c'était un peu le standard du centre de formation avec, je me souviens, notamment Jean-Pierre Papin, qui est passé par l'INF Vichy. Donc, vous pouvez nous raconter déjà ce parcours-là? Ouais, déjà, baigné dans le foot parce que mon papa jouait, il était gardien de but et il a créé un club de foot, il a monté des équipes de jeunes et naturellement j'ai commencé donc le foot dans ce club. Et à l'âge de 13 ans, je crois, je suis parti à Tours en sport-études. À un moment donné, il y a eu le choix entre rentrer au centre de formation à Tours ou aller à l'INF Vichy, comme vous le disiez, c'était la référence en France, même si les centres de formation, on disait toujours que c'était toujours les premiers choix ou les deuxièmes choix centre de formation, l'INF troisième choix. Mais on savait aussi qu'il y avait sur toute la France que 20 garçons qui étaient conservés, donc on rejoignait un petit peu l'élite aussi. Et c'est là aussi où j'ai connu Sylvain Sanson, qui est d'ici, qui était de ma promo, des garçons qui ont fait carrière aussi derrière. Ouais, qui a enchaîné avec la D2 au FC 7 après. Complètement, une vraie, vraie belle aventure, surtout une école de la vie pour moi, l'INF Vichy, et j'en retiens encore aujourd'hui, j'en retiens beaucoup de choses positives. Donc à la sortie de l'INF, vous rejoignez Dijon si je ne me trompe pas. Ouais, Et Dijon à l'époque en D2. complètement, la Ligue 2, ouais, c'est Alors ça. comment ça se passe ce petit passage, ce premier passage à Dijon? C'était pour moi la première fois que je me retrouvais dans une équipe première. J'avais 18 ans, j'ai dû faire 20-25 matchs en Ligue 2. La dure réalité du football, c'est qu'en fin de saison, le club avait d'autres ambitions. Il voulait monter en Ligue 1, il voulait des joueurs chevronnés, il voulait des noms. Donc ils m'ont fait comprendre que je ne faisais pas partie du projet malgré mes 25 matchs. Et là, j'ai compris ce que c'était réellement le football. Je suis parti à Alès, pas loin d'ici. J'ai signé stagiaire pendant 2 années. J'ai connu la Ligue 2. On a failli monter en Ligue 1 aussi la deuxième année. Voilà, avec une référence pour moi à l'époque aussi dans le football français en tant qu'entraîneur en Ligue 2, c'était Lyon Slaven. Et derrière ça, j'ai eu l'opportunité de signer pro à Annecy. Je suis parti pro à Annecy et après, je suis allé une année à Perpignan, comme professionnel. Alors pour revenir à votre passage à Alès, vous avez rencontré des joueurs qui sont devenus plus tard des joueurs plus que confirmés en D1. Je pense notamment à Christophe Chaintreuil, Ouais. qui a joué à Saint-Étienne à Martigues. Jérôme Niakhaud, qui a fait un an à Alès. L'équipe de France. Équipe de France également, ouais, au début des années 90. Et Sabri Lamouchi. Sabri Lamouchi, Olivier Dalloglio. Olivier. Et Lionel Christol, qui a été un temps entraîneur de la réserve du Football Club de Qui Sète. est mon ami aussi et chez qui je passais tous les étés mes vacances. Donc des bel effectif quand même, c'est vrai, Alès, hein? Ouais. Souvent les barrages, comme vous avez dit à cette époque-là, c'était. C'était avant que j'arrive, c'était demi-finale de Coupe de France contre Bordeaux. Bordeaux. Un gros match où ils auraient pu passer. Et là, 2 ans après, on a fait une quatrième, on loupe de très peu les barrages pour monter. Donc ouais, c'était une équipe qui était très régulière, et surtout de tableau Ligue 2. Alors, puisque vous avez évoqué Léon Slavagna, on peut parler également à Annecy de Guy Stéphane. Ouais, moi, comme je dis, j'ai appris beaucoup de mes entraîneurs. J'ai eu les deux extrêmes entre Léon Slaven, qui était quelqu'un de. Ça correspondait un petit peu de ce que j'avais connu à l'INF Vichy. Il y avait un cadre, c'était très dur. Là, il fallait pas déroger par rapport à tout ça. Et j'avais quelqu'un comme Guy Stéphane, qui avait un management complètement différent. Et Jeune entraîneur aussi à l'époque. jeune entraîneur, et très proche des joueurs. Donc ça m'a permis de voir que dans le rôle de l'entraîneur, il y avait plusieurs facettes. Et c'est pour ça que j'essaie de retirer un petit peu le meilleur de chaque personne. C'est deux exemples très forts. Voilà.
qu'est-ce que vous gardez en particulier de ce passage à Annecy, avec notamment la rencontre de deux anciens Sétois, Jean-Marc Cher et le regretté Résus Soriano? Résus, j'en ai frisson quand j'en parle. Hein. Résus, c'était la classe, un monsieur. C'était pas des plus bavards avec son accent, voilà, mais c'était quelqu'un qui montrait l'exemple au quotidien. Quoi. Donc c'était quelqu'un qui avait déjà travaillé avec le coach Guy Stéphan, il y avait Victor Mastroianni aussi, qui était un monument Annecy à l'époque. C'était la charnière centrale qui était tout simplement basée sur l'expérience et qui était très humainement, qui était très riche. Quoi. Donc vraiment des grandes personnes. Pourquoi vous quittez Annecy? C'est à l'époque où le club est rétrogradé administrativement, c'est ça? Ouais, dépôt de bilan. Dépôt de bilan. Dépôt de bilan, et derrière je me retrouve à Perpignan, une année en Ligue 2, où je crois qu'on est troisième à la trêve. On joue la montée en Ligue 1, pareil, et sur la. Comme quoi le football va très vite, hein, sur la deuxième partie de championnat, on s'écroule et on descend en national. Donc, Jean-Pierre Carillon en coach à l'époque même. Jean-Pierre Carillon qui était entraîneur avec Jeff Oscala, qui est du coin, voilà, des sacrés bons joueurs aussi. Donc, et les Polonais à l'époque aussi, non? Ouais, Iwaniki. Ouais, complètement. Ouais. Donc pareil, je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose cette année-là, parce qu'on avait un effectif de grande qualité, mais comme quoi il ne suffit pas d'empiler les joueurs. Et, voilà, il faut que la mayonnaise prenne et que ça soit un ensemble. Alors après Perpignan, c'est retour à l'UC? Chômage. Non, chômage. Ouais. Je me retrouve, j'ai pas de club. Période difficile où je me pose plein de questions. Et pour moi, c'est une période importante parce que ça m'a permis de réfléchir sur les orientations que je pouvais prendre en dehors du football. Et je me suis retrouvé une année. Je suis allé à l'UC, j'ai demandé si je pouvais m'entraîner avec eux parce qu'il fallait que je m'entretienne, si jamais j'avais une opportunité. J'avais fait le stage aussi, l'UNFP des joueurs au chômage. J'étais avec Olivier, j'étais avec Lionel Christol à cette époque-là aussi. Et à l'UC, je suis tombé sur un entraîneur, Noël Tosi, qui m'a charmé. Le théâtral, Noël Tosi. Voilà, qui avec tout, avec sa personnalité et qui... Mais qui m'a donné envie de travailler avec lui et il m'a redonné le beau football parce que je sortais de Perpignan où c'était difficile et il m'a redonné la flamme. Donc j'ai fait une très grosse saison, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai Bourges qui m'ont sollicité, je suis reparti à Bourges et j'ai fait une année et j'ai Clermont Foot à l'époque qui était en N2 qui avait un vrai gros projet qui m'a proposé un contrat à longue durée et je me suis inscrit dans le projet et pareil, j'ai pris énormément de plaisir. Alors malgré le fait, vous venez de le dire, d'avoir été un joueur chevronné de Division 2, est-ce qu'on peut dire malgré tout que le meilleur souvenir de votre carrière, vous allez voir où je vais en venir forcément, c'est ce match de Coupe de France avec Clermont face au PSG? Oui, parce que ça... Vous étiez capitaine même à l'époque. Oui, complètement, mais après ça... Je dis que ça arrive qu'une fois, mais il y en a pour qui ça arrive jamais. Donc moi, c'est arrivé et on ne l'aurait pas cru. Mais quand on retrace aussi mon parcours, j'ai l'humilité ou la faculté de dire qu'en fin de compte, où je me suis le plus épanoui, c'est en dessous de la Ligue 2. Parce que je pense que j'étais un joueur moyen de Ligue 2. Et en dessous, j'étais un joueur qui était à ma place et j'ai pris beaucoup de plaisir en dessous. Donc je pense qu'il faut savoir à un moment donné connaître son niveau, savoir ce qu'on peut faire et pas faire. Et j'ai pris énormément de plaisir en descendant d'un niveau. Et puis j'ai connu ces moments extraordinaires avec Clermont, l'époque en Coupe de France. Un club qui était en grosse difficulté financière, qui était pas loin d'exploser. Et on fait cette campagne en Coupe de France où y a une union fabuleuse avec la ville, la région. Et même ça dépassait tout ça. Quoi. Donc c'est des moments très forts. 4-1 à 18 minutes de la fin, je crois. Ouais, 4-1, on perdait 4-1, exact. 4-4. Et vous les battez ensuite, c'est... Ouais. Moi, j'ai toujours en mémoire l'image qui est vraie, c'est Olivier Enjolras sur la transversale. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que après, on peut rabâcher, on peut tenir des discours, mais le football, voilà, ça se résume à ça. C'est quand on perd 4-1 contre Paris, qui fait la Coupe d'Europe... Personne ne peut y croire, même nous on n'y croyait pas. Et pourquoi ça bascule, je ne sais pas pourquoi ça bascule. Il y a des choses qui sont écrites et ce jour-là, c'était écrit qu'on allait réaliser l'exploit. Donc c'est encore plus beau. Vous avez pu échanger ensuite avec les joueurs parisiens?
Non, parce qu'ils étaient, tellement déçus que ça a été difficile. Puis nous, on a profité avec nos familles, on a voulu vivre pleinement ces moments-là. Donc il y a eu beaucoup de. Comme c'était pour la ville, hein, parce qu'il faut quand même savoir pour Clermont qui depuis pas mal de décennies, avait du mal à ressortir la tête de l'eau par rapport au football. Il y avait une euphorie dans la ville, Place de Jaude, c'était plein à craquer sur les écrans. Il y avait beaucoup de festivités organisées avec le club, donc en fin de compte, on n'a pas pu trop profiter des adversaires. Donc ensuite, clairement, si je ne me trompe pas, c'est un retour à Dijon en ce moment-là. Ouais, je retourne à Dijon, on monte en national, on est en CN2, on monte en national. Et là, en parallèle, on me propose de prendre une équipe de jeunes. Donc j'avais commencé mes diplômes. Et 19 ans. Voilà, je prends les 19 ans et je continue à jouer en national. Et à la fin de mon contrat à Dijon, on me propose de rester au club sur les 19 ans. Et j'avais la volonté, moi, de travailler sur des seniors. Donc j'ai l'opportunité, mon Luçon m'a proposé quelque chose. Dijon après m'a proposé de prendre la réserve, mais voilà, je voulais vraiment aller sur une équipe première et essayer de mettre mes idées en place. Donc je me suis retrouvé à mon Luçon. Entraîneur-joueur dans un premier temps. Ouais, difficile. Une année où je pouvais pas faire les deux parce qu'en plus j'étais joueur à vocation offensive, donc sur le terrain, je passais mon temps à placer tout le monde et dès que je recevais le ballon, je savais plus ce que je devais faire. Donc très très difficile, donc j'ai joué qu'une année. Et après derrière, j'ai basculé comme coach totalement. Une aventure qui a duré presque 10 ans. Ouais, belle aventure où on est reparti d'une page blanche. Le club était en difficulté, il y a une nouvelle équipe qui est arrivée. On a tout reconstruit, on est monté en N2 aussi. J'ai eu des garçons comme Mehdi Mostefa qui est passé ici. On va retrouver bientôt un match amical normalement Voilà, avec plaisir. des personnes fabuleuses qui. Donc on a commencé à amener de la rigueur, un petit peu de professionnalisme aussi dans tout ce qu'on faisait. Et puis surtout garder cette ambiance conviviale et puis de prendre du plaisir ensemble, c'est ce qu'on va chercher. Alors j'ai communiqué hier avec un de vos anciens joueurs. Il a tenu à vous laisser un message. Donc je vais vous le retrouver déjà. J'en ai eu pas mal des anciens joueurs Je sais en bien. 18 ans de Mais carrière. je vais voir juste en vous le lisant si vous allez trouver de qui il s'agit. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que c'est une personne qui a des qualités humaines indéniables et qui a su m'apporter de la confiance dans un moment de doute personnel durant la saison 2019. Donc c'était à Bergerac. Après 2 années passées au club, même si au classement on aurait aimé espérer mieux. Il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est l'idée de venir apporter notre soutien et notre présence à la Croix-Rouge de la ville pour les plus démunis. Et le 16e de finale de Coupe de France contre Orléans. Je garde un bon souvenir de lui et de son passage à Bergerac. Il fera partie des coachs que j'apprécie non seulement pour leur côté humain, mais professionnel aussi. Il s'agit d'Abdel Tchamaï. Ah oui, Abdel qui est dans la région aussi, ouais. Oui, j'ai eu Abdel Abizar aussi qui est passé par 7, je Ouais, crois. ouais. Donc oui, Abdel, c'était. Je pense qu'on se rejoint sur le côté humain, parce que maintenant c'est une vraie bonne personne. Après, il était en fin de carrière, mais Oui. ouais, c'était. Et c'était une année difficile parce qu'on a eu la génération des garçons qui restaient au club avec une moitié de joueurs qui arrivaient de l'extérieur. On se rend compte toute la difficulté que ça prenne avec la Mayonnaise Presnes. Et cette année, elle avait été difficile, mais des garçons comme ça m'ont servi en tant que relais. Alors, est-ce que c'est compliqué en tant qu'entraîneur de il faut forcément être affectif avec ses joueurs, mais aussi il faut avoir une certaine distance qui est logique. Est-ce que c'est compliqué pour vous, depuis tant d'années maintenant que vous êtes entraîneur, d'avoir ce juste milieu, de ne pas être trop affectif, mais aussi de montrer aux joueurs quand même qu'on l'aime, parce que le football c'est aussi une question de confiance. Ouais, c'est. Le problème, c'est qu'avec une personne, vous pouvez avoir une relation qui est, comme vous le dites, affective, et avec d'autres, ils ne recherchent pas ça. Donc, je pense qu'il faut connaître ses joueurs. Après, je pense qu'il faut mettre des barrières. Aujourd'hui, pour être respecté, voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi aussi avec les joueurs. Donc, moi, j'aime bien décoller, j'aime bien. Je peux jouer avec eux, je peux jouer dans les jeux, je peux. Mais ils doivent sentir quand même que voilà, ils doivent me respecter, que je suis le coach. Parce que s'il n'y a pas ça, après derrière, il n'y a plus de limite et tout devient dangereux.
Si je vous décris comme un coach rigoureux, sérieux, professionnel et peut-être même d'apparence froide vis-à-vis des joueurs. Vous me Ouais, dites oui ou non? ah, complètement, complètement, mais c'est. Après, il y en a qui donnent tout tout de suite et qui sont déçus. Moi, aujourd'hui, j'aime voir. Donc, ce qui m'intéresse, et je le dis toujours, plus que les autres discours ou les paroles, c'est les actes. Donc, on peut me raconter, on discute avec des joueurs à l'intersaison, là, ils peuvent me dire ce qu'ils ont envie. Oui, j'écoute, mais j'aime voir. Moi, concrètement, je veux des actes. Donc, et à partir du moment où il y a les actes, et je le dis toujours, peut-être qu'au début, oui, j'ai cette ligne directrice et on peut dire que je suis froid, mais quand je fais confiance, après je suis prêt à tout donner. Mais j'ai besoin de sentir que je peux faire confiance, quoi. Voilà, c'est important. Nicolas, si on aborde maintenant votre arrivée au FC7, hein, comment se sont noués déjà tout d'abord les premiers contacts? Bon, on m'a appelé par rapport à la fin de saison, là, quand le club à un moment donné avait changé de direction. Et il se posait la question par rapport au coach. On m'a expliqué qu'il voulait un petit peu changer, puis justement amener beaucoup plus de rigueur et de professionnalisme, mais s'organiser dans le fonctionnement avec des horaires d'entraînement qui soient plus compatibles avec le haut niveau, parce qu'on pensait réellement rester en national. Donc voilà, au dernier moment, ils ont décidé de ne pas continuer avec le coach. Est-ce que, excusez-moi de vous couper, est-ce que vous avez échangé justement avec Nicolas Guibal ou pas du tout? Non, parce que c'est délicat par rapport à je l'ai vécu, hein, moi en tant qu'entraîneur, voilà, mais c'est la dure réalité du football qui veut ça. Donc aujourd'hui, moi je suis sur ce qu'il a fait ici, et j'ai joué contre lui, donc je sais ce que l'équipe dégageait. Donc si elle dégage ça, c'est qu'obligatoirement l'entraîneur a des valeurs. Et quand ils sont montés, c'est pas un hasard, c'est qu'il y avait des choses derrière. Donc quand je venais ici, je venais voir les matchs parce que j'habitais dans le sud. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait des opportunités ici parce que le coach faisait très bien son boulot. J'ai vu qu'il y avait une âme ici. Et moi, j'ai toujours dit, quand je rencontrais Seth, ce qui ressortait, je me disais, il y a quand même cette base de travail parce qu'il y a une âme dans cette équipe et dans ce club. Donc, en amenant quelque chose d'autre, ça peut être intéressant. Voilà. Donc voilà, donc dès qu'il y a eu le contact en fin de saison, hop, j'ai pris les. Tout de suite, j'ai essayé de me renseigner un peu sur l'effectif, de bosser, mais bon, par rapport aux décisions de la DNCG, tout ça, les choses ont été assez compliquées. Alors, comme vous l'avez dit, vous êtes venu pour être le coach du FC7 en national. Il s'avère que actuellement, ça pourrait peut-être changer. Bon, on ne le sait pas, mais le club va démarrer en N2. Vous avez quand même tenu sur la page officielle à montrer que vous alliez rester quoi qu'il arrive. Est-ce que si au préalable vous auriez su les difficultés qui allaient vous attendre, sincèrement, est-ce que vous auriez quand même signé au Football Club de Sète? Quand vous regardez mon parcours, c'est quoi le ressort? Je suis passé beaucoup de clubs amateurs. Aujourd'hui, c'est un club de, même si on est en CN2, qui est attractif, malgré les difficultés. C'est une page blanche. Moi, j'adore ce genre de challenge. Il y a tout à construire ou à reconstruire parce qu'aujourd'hui, on part de rien. Donc, il faut remettre les bases en place, il faut remettre beaucoup de choses en place. Donc, moi, ça correspond parfaitement à ce que j'attends. Après, je voulais être honnête aussi, c'est qu'on vient de me chercher pour être un national. C'est qu'on a confiance en moi, donc j'ai envie de rendre l'appareil aussi, de dire, bah, même si ça change pas, mon métier change pas, le niveau n'est pas le même, c'est sûr, on n'a pas tout ce qu'on a en national, on retrouve pas en CN2, il y a beaucoup d'autres problématiques en CN2, mais il y a cette faculté de pouvoir mettre des choses en place, de pouvoir travailler correctement, et puis d'essayer qu'on arrive à structurer ce club. Donc, ça correspond tout à fait à ce que j'aime faire. Donc que ce soit en national ou en N2, pour moi, je ne voyais pas la difficulté et je n'ai pas mis longtemps à donner ma réponse par rapport à tout ça. Donc déjà, si on écoute votre discours, vous vous inscrivez pour la durée. Oui, non, parce que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Si on me dit tu viens pour. Je l'ai fait 2 ou 3 fois dans des clubs pour venir. J'ai fait à la Duchère, j'ai fait. Je viens au mois de janvier pour sauver. Il y a des gens qui ont cette faculté de pouvoir sauver les clubs parce que. Le rôle de pompier de service ne vous plaît Voilà, pas. moi j'aime construire. Donc pour construire, il me faut des fondations. Et il faut que je pose mes bases.
Voilà, donc aujourd'hui ça n'a rien changé du tout à mon envie et ma volonté de bien faire. Et surtout ce qu'il nous donnait au quotidien, je me dis je peux pas lâcher maintenant, quoi. Parce qu'on prenait du plaisir et j'ai dit non, faut qu'on continue. Voilà. Donc il y a eu deux matchs amicaux pour le moment, victoire à Canet, ouais. Match nul face à Fréjus, il en reste deux, Béziers vendredi et la semaine d'après la réception de Toulon, les deux matchs a priori au Louis-Michel. Quels sont les, c'est forcément un petit peu tôt, mais quels sont les objectifs de ce football club de Sète? Est-ce que c'est une remontée immédiate? Est-ce que c'est un bon maintien? Ou jouer les troubles faits? Ça, je pourrais vous le dire quand on aura véritablement, quand on saura où on va et quand on aura tout l'effectif. Parce qu'aujourd'hui, on a des garçons qui partent encore. Donc, est-ce qu'on a la capacité de les remplacer et recruter? Est-ce qu'on peut prendre des joueurs qui vont nous apporter un vrai plus, ou est-ce qu'on va amener des joueurs qui sont des joueurs de ce niveau-là tout simplement? Donc toutes ces réponses pour l'instant je ne les ai pas. Donc c'est pour ça qu'on je pense qu'il faut qu'on ait vraiment une photo plus large de notre effectif, qu'on y voit un peu plus clair. Là on a Mamatila qui part, c'est pour nous c'est juste déchirant, parce que aujourd'hui quand je découvre Mamatila, c'est. Pour tout entraîneur, c'est fantastique d'avoir un joueur comme ça dans son effectif et il faut le remplacer. Pour remplacer un personnage pareil, ça va être, pour nous, ça va être très difficile. Donc si on a encore, on avait Christian Coffey qui devait revenir, qui est revenu dans 3 jours, qui est reparti, on s'appuie énormément sur lui. Donc aujourd'hui, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est définitif le concernant? Voilà, de jour en jour, ça arrête pas de varier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire... Aujourd'hui, on est à. Parce que j'ai rien à cacher, on fait le match amical contre Fréjus le week-end dernier. On avait 10 joueurs valides. Il a fallu qu'on trouve 4 garçons qui viennent à l'essai pour nous donner un coup de main, parce qu'il fallait qu'on ait une équipe. Aujourd'hui, la situation, elle est comme ça. Donc, c'est inquiétant quand même le portrait que vous nous dressez. Non, parce qu'aujourd'hui, on sait que. Quand on est, je l'ai vécu à la Duchère, j'ai vécu dans d'autres clubs, quand la DNCG passe, obligatoirement, ça fracasse tout un groupe. Donc il faut reconstruire. On sait que, comme je dis aux joueurs, je suis sûr qu'il y aura de belles choses derrière. C'est un passage obligé, c'est difficile, c'est compliqué pour tout le monde. Mais on va ramener les éléments, les pièces qui manquent au puzzle. On va les ramener, donc ne vous inquiétez pas. Du fait qu'il soit c'est toi, qu'il soit capitaine et qu'il soit là depuis des années, est-ce que vous allez vous appuyer énormément sur Vincent Papalardo? Ouais, ça serait une faute professionnelle de ma part de ne pas le faire. Donc, puis il me donnerait pas envie de le faire, je le ferais pas. Mais quand je vois le personnage aussi, quand je vois le monsieur que c'est au quotidien, parce que Vincent il en a connu beaucoup ici, mais je le vois jamais se plaindre, quoi. Donc on peut que s'appuyer sur ce garçon, sur Anthony qui est pareil, hein, oui, qui sont pour moi et qui s'entendent très bien. Donc voilà, soit on dresse un portrait, un tableau qui est très noir et on se dit, ouais, voilà, moi je suis de nature très positive, constructive. Aujourd'hui, il y a des bonnes personnes, il y a une vraie volonté de... On est conscient des choses. Dans le club, les gens sont conscients des choses, sont conscients qu'il faut qu'on change la façon de faire. Et on va s'y atteler. Au quotidien, on s'y attelle, on passe nos journées là, on bosse, on ne fait pas de bruit. Et les joueurs, comme je vous dis, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est l'adhésion des joueurs et l'entrain et l'envie qu'ils mettent au quotidien dans ce qu'on leur propose. Je vais vous poser une question qui est peut-être embêtante, vous me répondez ou pas. Les multiples interventions de Roland Courbis sur RMC, est-ce que vous pensez que c'est, à la longue, c'est positif pour le club ou au contraire, ça peut être négatif? Quand on aura la réponse du CNOS, je vous le dirai. Mais Roland aussi est un atout. On voit que dans tous les clubs, il y a quelqu'un. Il compte dans le football français, ça c'est le moins compliqué. Dans tous les clubs, il y a quelqu'un qui siège à la Fédé. Nous, on n'a personne. On a Roland qui est quelqu'un dans le football français, qui est proche de nous aussi parce qu'il vient nous voir et qui nous guide, qui nous aide, qui nous apporte des conseils. On a besoin de. Après, comme je dis, moi, l'essentiel, le plus important, c'est que. À un moment donné, il faut que chacun reste à sa place. Je crois que les gens l'ont compris. Maintenant, moi, je suis attentif surtout à ça. Mais on a besoin que, voilà, moi, que ça serait une bêtise de ne pas me servir de l'expérience de Roland Courbis. Donc, aujourd'hui, c'est une mine d'or. Donc, après,
Il est intelligent aussi, il me donne des infos, il me dit voilà, je te donne des infos, tu prends ce que tu as envie de prendre et tu fais ce que tu veux avec. Voilà. Nicolas, le FC7 est dans la poule sud cette saison. Vous qui avez pas mal vadrouillé entre le N1 et la N2, est-ce que cette poule, elle vous convient ou vous auriez préféré être dans une autre poule? Chaque poule a ses caractéristiques. La poule sud, c'est un peu différent de la poule ouest où je pense que la poule ouest, c'est plus. C'est plus tactique, de jeu, de problématiques terrain. La poule du Sud, c'est souvent composé de énormément de joueurs d'expérience qu'on joue au-dessus. Donc, c'est. Voilà, ça. Il y a l'arbitrage qui est important aussi. Il y a des données différentes au football aussi qu'il faut bien appréhender. Je l'ai connu la dernière avec la Duchère. Hein, on était dans cette poule-là. On avait pris beaucoup de joueurs qui étaient. Soi-disant prometteur ou de potentiel intéressant en N3 et bah, ça passe pas. Aujourd'hui, il faut des joueurs chevronnés dans cette poule-là. Donc, si vous voulez faire un vrai bon championnat, il faut des joueurs avec de l'expérience Vous n'en avez pas et actuellement. beaucoup de maturité. Bon, on a des garçons qui sont arrivés, qui ont quand même un petit vécu derrière de. Jeunes, quand même, beaucoup de jeunes. Ouais, il y en a qui ont 25-26 ans quand même. Donc, il y a moyen de faire. Je suis vraiment content des garçons qui nous ont rejoints parce qu'il y a. Il y a une très bonne mentalité et puis il y a du potentiel. Allez, pour terminer, la caméra est à vous. Un mot pour les supporters verts et blancs. Écoutez, j'ai vu l'année dernière, jusqu'au bout, les gens étaient là pour supporter cette équipe. Et surtout sur le dernier match, on a vu que voilà, tout le monde s'était réuni, tout le monde s'était donné rendez-vous pour vraiment se mobiliser pour que le club se sauve. Donc pour nous, ça doit être un atout, hein, nos supporters. C'est un moment difficile. On sait qu'avec cette descente, et j'espère, voilà, on a toujours ce petit espoir. On aura besoin d'eux. On aura besoin d'eux, même dans les moments difficiles. Après, j'espère qu'on partagera aussi des bons moments tous ensemble. Et j'en suis extrêmement convaincu. Très bien, ben Nicolas, c'est tout ce qu'on souhaite à ce FC7 2022-2023. Merci à vous. Et merci à vous de vous être prêté à Non, avec cet entretien. plaisir. Merci Merci. beaucoup.